Donc, on va commencer par définir la value at risk. Et donc, comme nous avons montré auparavant, la value at risk, c'est la perte maximale attendue d'un portefeuille sur un horizon temporel donné, à un niveau de confiance donné, sans des conditions normales de marché. Donc, il y a la perte maximale, il y a l'horizon temporel. Et il y a le niveau de confiance. Donc il y a trois critères. Et donc si vous voulez, euh, euh, il faut répondre à la question suivante pour un investisseur. Il va, dire, il va se poser la question quel est le montant maximal Quel est le montant maximal en euros, en dollars, qu'un investisseur risque de perdre avec une probabilité de X%, on va dire 90%, 95%, 99%, pour une période de temps Y. Donc vous avez la première variable X, c'est la probabilité, ça veut dire le niveau de confiance. La deuxième variable, c'est Y, ça veut dire l'horizon temporel. Mais surtout, la question fondamentale, c'est quel est le montant maximal de perte Quel est le montant maximal de perte. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple d'un gestionnaire de portefeuille. Et donc, ce gestionnaire de portefeuille, il peut déclarer que le montant de l'avare mensuel s'élève à 20 millions d'euros avec une probabilité de 99%. Je répète, l'avare, d'abord, il est mensuel, ça veut dire l'horizon temporel, c'est un mois. Euh, le, le montant maximal de perte, c'est 20 millions d'euros, et le niveau de confiance, c'est ou bien la probabilité, c'est de 99 Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre de 20 millions d'euros Ça veut dire tout simplement, comme nous sommes dans le cadre d'une var mensuelle, que le mois prochain, le mois prochain, il y a une probabilité de 1 pour que la perte soit plus élevée que 20 millions d'euros. Je répète, le mois prochain. Le mois prochain, parce qu'il a une VAR mensuelle, ça veut dire qu'il va avoir des VAR à un horizon temporel d'un mois. Donc l'horizon temporel, c'est le mois. Et donc le mois prochain, un horizon temporel d'un mois, d'accord Soit je dirais que 99%, ma perte va être au maximum 20 millions d'euros, ou bien je dirais qu'il y a une probabilité de 1% pour que ma probabilité soit supérieure à 20 millions d'euros. Ça veut dire, soit je dirais, ma perte maximale, c'est les 20 millions d'euros à 99%, ou bien je dirais qu'il y a 1% de chance pour que ma, que ma perte soit supérieure à 20 millions d'euros. Et c'est ça le chiffre de la var. Donc, j'aurais aussi pu dire la var hebdomadaire, et donc dans ce cas, l'horizon temporel, c'est la semaine. J'aurais pu dire la var journalière, et donc dans ce cas l'horizon temporel, c'est au jour le jour, c'est 24 heures. j'aurais pu dire l'avare annuel, et dans ce cas, c'est pour l'année prochaine, ça veut dire, le 31 décembre, une institution financière va dire l'avare annuel, ça veut dire, l'avare annuel s'élève à 20, 20 millions d'euros, ça veut dire, euh, si on est au 31 décembre 2020, ça va couvrir toute l'année, toute l'année 2021. et comme je vous ai expliqué, pourquoi on fixe l'horizon temporel C'est qu'on suppose qu'on ne va pas varier les composantes des portefeuilles. On va, on va garder la composition du, du portefeuille fixe, toutes choses égales par ailleurs. Parce que si vous vendez, vous achetez des actions ou des obligations et donc vous changez la composition de portefeuille, le chiffre de, de la var n'a plus de persilence quoi. Il faut vraiment que vous respectez l'hypothèse selon laquelle que la composition des portefeuilles reste fixe au moins. Pour l'horizon temporel de calcul de la var. Donc, si vous changez toutes les semaines, vous prenez la var hebdomadaire. Si vous changez tous les mois, vous prenez la var mensuelle. Si vous changez tous les trimestres, vous prenez la var trimestrielle, et ainsi de suite. Et si vous changez tous les jours, vous achetez, vous vendez. Bah, il suffit de calculer euh, la valeur à risque journalière. Et donc, chaque jour, vous allez revoir les actifs qui sont rentrés dans le portefeuille et vous allez calculer euh, leur chiffre, le chiffre var. Et l'idée, c'est que chaque jour, comme disait le, 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 le DG de, de JP Morgan, chaque jour, sur son bureau, il y avait un chiffre euh, qui mesure l'exposition au risque de marché de la banque JP Morgan. Et donc, au en fait, comme, comme on vient de le montrer, la value at risk est un indicateur systémique synthétique du risque. D'accord Et donc, on est, dans, on, est dans le, on est dans la mesure, hein, on est dans la mesure. Et donc, lorsqu'on dit la mesure, c'est pourquoi il y a le terme métrique. C'est pourquoi il y a le terme. Donc, si on est dans la mesure, on utilise la métrique. Il y a une métrique de risque, il y a une, une mesure de risque, et, et c'est même l'essence du terme risque métrique. Donc, euh, la valuatrice, comme on vient de montrer, il a deux dimensions, si vous voulez. Il y a une dimension contestative, ça veut dire il y a un montant, il y a une somme d'argent qui est en jeu, il y a une somme d'argent qui est en jeu, c'est ce qu'on appelle combien, euh, enfin combien je risque de perdre, combien je, je, je réponds à la question suivante, combien je risque de perdre, la perte maximale potentielle, d'accord. Mais il y a aussi, ça c'est très important, c'est la dimension probabiliste, c'est la dimension probabiliste, ça veut dire avec quelle probabilité D'occurrence, ça veut dire le degré de confiance. Je répète, avec soit la probabilité d'occurrence, soit le degré de confiance. Et vous avez vu que dans l'exemple précédent, le degré de confiance, c'était 99%. Et, et, et donc, vous dites, à 99%, ma perte maximale s'élève à temps. À 95%, ma perte maximale s'élève à temps. À 90%, ma perte maximale s'élève à temps. Et donc, au en fait, il y a deux dimensions. Il y a une quantité, ça veut dire un montant, une somme d'argent, et puis il y a la probabilité d'occurrence ou bien le degré de confiance. Et donc, il, est, il a deux dimensions, la valeur à risque. Alors, déjà, le terme valeur à risque, si on veut le traduire en français, c'est la somme. La valeur, c'est la somme d'argent. Et à risque, ça veut dire mes enjeux, mes enjeux. Et donc, ça veut dire, vous vous posez la question simple, combien ça va me coûter cette exposition? Ça va me coûter combien? Quelles sont les sommes d'argent? qui sont mis en jeu parce que c'est un jeu risqué vous faites des paris donc vous, 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 vous prenez des risques et lorsque vous prenez des risques vous risquez de perdre et donc vous dites quelle est la valeur risquée value à la valeur risquée ça veut dire quelle est la valeur quel est le montant quelle est la somme d'argent qui est risquée et donc dès que vous parlez de risque le risque vous parlez de la probabilité ça veut dire vous avez la probabilité de réalisation de ce risque le jour où le risque se réalise ça veut dire que vous allez accuser des pertes. Et donc, c'est pourquoi on parle de pertes potentielles, parce qu'il y a le risque. Les pertes ne sont pas réelles. Elles seront constatées le jour où elles se réaliseront. Et tant qu'elles ne se réaliseront pas, ben, c'est toujours le risque. Et donc, il faut faire des probabilités de réalisation de ce risque, d'occurrence de ce risque. Et donc, les probabilités de réalisation vont nous donner le degré de confiance. Et donc, si vous voulez, la, 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 la value at risk a euh, 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 trois à des, 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 des variables fondamentales que je viens d'expliquer. Le degré de confiance, c'est très important. La première des choses, on fixe le degré de confiance c'est la probabilité que la perte ne soit pas plus élevée que ce qui est attendu. Donc, vous avez des anticipations ex ante. Je répète, vous avez des anticipations du montant de la perte ex ante. Ça veut dire que le phénomène ne s'est pas encore réalisé. Attention, hein. vous avez le chiffre de la var et vous faites de la prévision. Vous avez des anticipations sur l'évolution du marché. Et donc, vous dites, dans le pire des scénarios, voilà euh, le, 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 le montant de ma perte, la, ma perte maximale. Et donc, lorsque vous dites dans le pire des scénarios, à quel pourcentage est-ce que c'est à 90% à 99% euh, au 90%, 100% ça veut dire le risque zéro, le risque zéro n'existe pas donc il y a toujours un risque. Ça veut dire vous prenez le risque de vous tromper. Donc on, on dit à 99%, ça veut dire au fait le 99% vous êtes sûr de, du montant maximal de votre perte, mais il vous reste le 1% qui manque et là et là vous pouvez rien quoi. Et si ça si ça se réalise dans les 1% restants, alors là il faut il faut imaginer euh, d'autres d'autres instruments. C'est pas le c'est pas l'objectif de la var. Donc fixer le niveau de confiance, ça veut dire avec quelle, de, quelle probabilité quel degré de confiance. et nous avons l'habitude de travailler avec le risque euh, alpha de 5%. Donc lorsque vous dites alpha égal à 5%, ça veut dire que vous avez euh, 95% de chances d'avoir raison et 5% d'avoir tort, c'est ça la logique quoi. Donc le risque alpha est égal à 5%, on peut avoir un risque alpha égal à 10% on peut faire un risque alpha, est Égal à 1%, ça veut dire le risque de vous tromper, quoi. Ok, vous prenez ce risque de vous tromper, d'avoir commis une erreur dans vos prévisions. C'est ça la logique. Et donc, lorsque vous définissez le, le niveau de confiance, vous, 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 vous d'emblée vous dites je peux me tromper dans combien de cas, ok, et donc je peux avoir raison dans combien de cas. Et naturellement, le mieux. Le, meilleur, le niveau de confiance le mieux serait le plus élevé possible si vous êtes à, vous préférez toujours 99% à 95% et 95% à 90% deux l'horizon de prévision l'horizon de prévision c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ça veut dire il faut bien fixer l'horizon durant lequel l'horizon temporel durant lequel la composition du portefeuille ne change pas on va garder le portefeuille fixe et puis la troisième et c'est ce qui nous intéresse la troisième variable, c'est la volatilité des rendements. La volatilité des rendements, parce que comment on va estimer les pertes Comment on va estimer les pertes Qu'est-ce qu'une perte D'accord. Donc on va estimer les pertes grâce à la volatilité. Tiens, ce terme volatilité, ça nous rappelle des choses. Ça nous rappelle les modèles GARCH que nous avons étudiés dans les séances précédentes. Et donc, au en fait, le lien entre le modèle Garch et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que la volatilité des rendements estimés par le modèle Garch, c'est elle qui va nous aider à calculer la value at risk. Je répète, la volatilité des rendements estimés grâce aux méthodes Garch, grâce au modèle Garch, c'est cette volatilité que nous allons utiliser pour estimer la value at risk. Et donc, ici. Euh, on, va, on, va, on va supposer R1, R2, R3, R4, R5 jusqu'à r 10 n Ce sont les rendements d'un actif financier donné. Ce sont des rendements. Quoi. Donc, c'est une série temporelle des rendements. Je répète, c'est une série temporelle des rendements. Et donc, les rendements, ce sont des variables aléatoires. Pourquoi variables aléatoires Parce qu'il y a de l'aléa, il y a du risque. Vous ne savez pas si le rendement demain sera positif ou sera négatif. Vous ne savez pas si le rendement d'après-demain sera positif, ou négatif, ou nul. Et donc, ce sont de véritables variables aléatoires. Et, et par conséquent, euh, euh, il faut, on peut être capable, on peut être capable de définir une fonction de, de, distribution, une fonction de distribution, de distribution de, de, de ces rendements conditionnellement, conditionnellement à, à, à l'information disponible à l'instant T-1. Nous avons déjà utilisé ce concept lorsqu'on a utilisé la variance conditionnelle. Et donc, au fait, supposons que la loi F, que la loi F, c'est la fonction de distribution cumulative conditionnelle à l'ensemble informationnel disponible à T-1. Comment on va définir la VAR ben, La VAR, vous voyez, c'est toujours, on fait le alpha entre parenthèses, se définit comme le quantile alpha de la distribution de probabilité des rendements financiers. Donc nous avons les rendements financiers qui ont une distribution F. Ça peut être la loi normale. Ça peut, pour simplifier, ça peut être la loi de Student. Ça peut être, ça peut être la loi de la, la loi une autre, une autre une autre loi extrême. Mais de toute façon, une loi de distribution. Pour simplifier, on va commencer par la loi normale. Et donc on dira que le, 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 la distribution de probabilité des rendements financiers qui est représentée par la, la fonction F, c'est à, à travers cette fonction F qu'on va aller euh, euh, chercher euh, le quantile alpha de la distribution. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire le quantile alpha Qu'est-ce que ça veut dire le quantile alpha Donc, vous avez ici la probabilité pour que le rendement réalisé soit strictement inférieur au chiffre de la VAR. Je répète, la probabilité pour que le rendement réalisé soit strictement inférieur au chiffre de la VAR, parce que l'avare, c'est la perte maximale. Et donc, supposons que le rendement, il est, le rendement il est, il est négatif, donc supposons que ce rendement est négatif, ça veut dire qu'il y a une perte. Il faut que la perte ne dépasse jamais le chiffre de l'avare. Ça veut dire que l'avare, c'est la limite, c'est la perte maximale. Au maximum. La perte va être égale au chiffre de la var, quoi. Et donc on va jamais arriver à ce chiffre. Et c'est pourquoi dans dans l'écriture ici, c'est la probabilité pour que le rendement soit strictement inférieur à la var de alpha. Et c'est et c'est et c'est le c'est quantile alpha de la distribution. Et donc qu'est-ce qu'on va faire Vous avez euh, f de la var de alpha est égal à alpha. Ça veut dire que la var de alpha est égale à f moins 1 de alpha. D'accord. Donc vous avez f de la var de alpha est égal à alpha, et vous avez la var de alpha, c'est f moins 1 de alpha. Ça veut dire que c'est la fonction inverse, la fonction inverse de, 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 de la fonction de distribution cumulative des de, 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 de rendements, et par conséquent, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle la fonction coïncide, tout simplement. C'est la fonction coïncide. Donc, vous avez la fonction de distribution, et vous avez la fonction coïncide, et c'est pourquoi ici, c'est pourquoi ici, Oh, oh, vous, vous, vous voyez que le, que, enfin, vous voyez le terme apparaître, le terme quantile ici pour désigner, pour désigner alpha. Voilà, vous avez le terme quantile pour désigner alpha. Et le quantile, c'est une, alors le quantile, le quantile alpha, le quantile alpha. Et donc vous allez voir que chaque loi, chaque loi, la loi, la loi normale, euh, euh, il a des valeurs de son quantile alpha. La loi de Student, il a des valeurs de son quantile alpha, etc. Selon, je répète, selon le niveau de confiance qu'on va choisir. À 99%, le quantile alpha il a une valeur. À 95%, il a une valeur et à 99%, il a une valeur. De même, la loi de sodent à 90%, le quantile alpha il a une valeur. À 95%, il a une autre valeur et à 99%, il a une valeur. Donc chaque fois que nous avons une loi de distribution de probabilité si on veut définir la, 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 la loi quantile, ça veut dire le quantile, la fonction quantile de cette direction, ça veut dire ça, c'est la fonction inverse. Et au fait, si on veut le connaître, on va juste le lire sur la table. Hein. Il n'y a rien à inventer. Hein. Toutes les tables statistiques vont nous donner euh, facilement, les, facilement le, 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 le chiffre de la VAR. Et donc, juste pour dire qu'en fait, la VAR, c'est un quantile, tout simplement. La VAR, c'est un quantile. Et qu'est-ce que ça veut dire quantile Je vais vous montrer la représentation. La représentation graphique, comme ça, vous allez comprendre <coughs> la représentation graphique. Après, je reviens vers vers vers, vers l'explication. Et donc, en fait, ici, vous avez la distribution, la distribution pour en fait un d'un produit financier quelconque. Donc, vous avez une distribution. Vous avez sur le côté droit, ce sont les gains, et sur le côté gauche, ce sont les pertes. Et donc, en fait, ici, on a pris on a pris on a pris un chiffre alpha. Un chiffre alpha, enfin, on a pris un alpha de, de 1%, quoi. On a fait un alpha de 1%. Je vais juste chercher. Euh, on, a fait, on a pris un alpha de 1%, OK On a pris un alpha de 1% ici, voilà. Donc ici, regardez, là, on a pris euh, le, le 99%. Et surtout, surtout, nous avons pris un alpha de 1%. Voilà, et donc au en fait là, vous avez le 1 moins alpha, ça va correspondre à 99%. Donc c'est toute ce, tout cette partie-là. Et ici, vous avez le 1% qui reste. Quoi. Donc vous avez le 1% qui reste. Et donc il faut faire une claire distinction entre le 99%, ça on sait. On sait. Parce que lorsque vous fixez le degré de confiance à 99%, vous dites... À 99%, ma perte maximale va être, va jamais dépasser ce chiffre-là. Donc, vous avez une, une limite. Vous n'allez jamais franchir cette barrière. Et cette barrière, c'est la valuatrice Mais attention, il risque quand même 1% de probabilité pour que cette, cette, ce chiffre euh, soit dépassé. Il reste quand même 1% pour que ce chiffre soit dépassé. Et donc, la logique, la logique de ce graphique, c'est que euh, premièrement, on va définir un taux de couverture alpha, on va définir un taux de couverture alpha, c'est ce qu'on appelle le risque de premier espèce en statistique, ou de façon équivalente, 1-alpha%. Donc, soit vous dites le taux de couverture alpha, ça veut dire alpha à 1%, 5%, 10%, ou bien vous dites le niveau de confiance. Donc, taux de couverture, confiance, il y a une correspondance, c'est juste les calculs qui diffèrent. Et donc, le niveau de confiance 1-alpha, ça va être soit 99%, soit 95%. Et donc, ici, dans notre exemple, ici, le 1-alpha, c'est 99%. Ça, c'est notre niveau de confiance. D'accord Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la valuatrice Comme je viens de dire, la valuatrice, c'est un quantile. C'est un quantile. C'est la fonction quantile. Ça veut dire, si ce qui reste à la fin, regardez, lorsqu'on voit le graphique, le alpha, c'est le 1%. Donc, c'est vraiment l'extrémité de la l'extrémité de la, de, la, de, la, de la distribution. Et donc, si vous voulez, ici, c'est le coïncile au niveau alpha pour cent de la distribution des pertes et des profits sur la période de détention de l'actif. Ça veut dire qu'on a l'horizon temporel, tout simplement. Et donc, au fait, voilà l'écriture voilà de, 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 de la fonction quantile Et donc, vous avez la var, la var alpha, c'est f moins 1 de alpha, et le f, le f on a déjà dit... Le slide précédent, c'est la fonction de répartition associée à la distribution de pertes et de profits. Donc vous avez une loi, une loi de distribution, cette loi de distribution est là une fonction de répartition et donc c'est la fonction F. Et donc l'inverse de la fonction de répartition, c'est la fonction quantile. Je répète, l'inverse F moins 1, c'est l'inverse de la fonction de répartition. Et donc c'est ce qu'on appelle la fonction quantile. Et donc la var, c'est toujours un quantile. C'est toujours un quantile. <coughs> Et donc, si vous voulez, si on veut, on veut développer, on va voir que la var, la var de alpha, c'est la fonction coïncide. Et ici, ici, on va introduire ici on va introduire le on va introduire le pardon. On va introduire le, le, le sigma. On va introduire le ici. On va introduire le, le, le mu, le mu indice t ici. Et, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va introduire c'est qu'on va introduire le sigma indicité. Et donc, ce sigma indicité, ce, ce sigma indicité nous rappelle des choses. Bah, nous rappelle le modèle GARCH, tout simplement. Quoi. Et donc, au fait, il nous rappelle le modèle GARCH. Le sigma indicité, ici, il va nous rappeler le modèle GARCH. Et donc, si vous voulez, si on veut décomposer le F-1 de alpha, donc nous avons le mu indicité, c'est la moyenne conditionnelle, et le sigma indicité, c'est la... C'est la variance conditionnelle qui varie au cours du temps. Et le G 1 alpha, c'est toujours une fonction coïncide. Donc, en fait, on va, on, va, on va développer, ça veut dire il y a deux composantes. Il y a la moyenne et il y a la variance. Alors, la question qui se pose est la suivante. Quelles sont les, les méthodes Quelles sont les méthodes et quels sont, sont les modèles hein Les modèles d'estimation. Les modèles d'estimation euh, de, de la VAR alors, il y a un article très important d'Engel et, et, et... et Manganelli en 2001. Au fait, ils ont défini trois classes euh, de modèles pour estimer la var. Il y a trois classes de modèles pour estimer la var. Euh, et c'est ce que vous trouvez euh, dans la littérature. Donc, il y a les modèles paramétriques. Les modèles paramétriques. <coughs> le premier modèle paramétrique le plus simple, c'est <coughs> ce qu'on appelle. <coughs> C'est ce qu'on appelle la moyenne mobile. Ce qu'on appelle la moyenne mobile. Et donc, en fait, ce modèle de moyenne mobile, vous l'avez déjà vu au semestre 1 en méthode de prévision. Et donc, on peut utiliser les moyennes mobiles pour, pour construire un modèle VAR. Il y a le modèle Risk qui a été introduit par, par JP Morgan. Je vais vous en parler. Et surtout, pour nous, il y a les modèles GARCHE. Ça veut dire que le modèle GARCH, c'est un modèle paramétrique. Ce sont des méthodes paramétriques d'estimation de risque. Mais vous avez, on va y revenir, nous, nous allons nous concentrer cette année sur les méthodes paramétriques et l'année prochaine, nous allons vous voir faire les modèles, les, 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 les modèles non paramétriques. Alors, les modèles paramétriques, c'est les simulations. Donc, il y a la simulation, euh, la simulation, la simulation historique, euh, je, euh, je, euh, vous connaissez la simulation, vous entendez parler de la simulation de Monte Carlo. Euh, il y a ce qu'on appelle le bootstrap, etc. Et il y, a des il, y a, il y a des modèles hybrides. Donc, si vous voulez, ce sont des méthodes non paramétriques. et Je vais vous expliquer ce que c'est que la différence entre paramétrique et non paramétrique. Et puis, vous avez les modèles semi-paramétriques, ça veut dire que c'est un mélange des deux. Et donc, vous avez la théorie des valeurs extrêmes, vous avez un modèle caviar et vous avez une méthode d'occasion de de maximum de vraisemblance de, de Garch qui est, qui, est qui est à la fois paramétrique et non paramétrique. Alors, je disais que pour nous cette année, nous n'allons pas faire l'assimilation historique, nous n'allons pas parler de la méthode de, de Monte Carlo, du bootstrap, nous n'allons pas utiliser des modèles hybrides. Ça veut dire, c'est des modèles hybrides. C'est un mélange entre les simulations et entre les modèles GARCH. Nous allons nous concentrer sur les méthodes paramétriques. Alors, pourquoi nous allons concentrer sur les méthodes paramétriques Dans le terme paramétrique, il y a paramètres. Et donc, au fait, on fait des hypothèses, tout simplement. On fait des hypothèses. On dit euh, la loi de distribution, c'est la loi normale, la loi de Student, la loi de, 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 de GPD, etc. Vous, faites une, euh, vous allez estimer des paramètres par des, par des estimateurs euh, statistiques comme euh, la MCO, le maximum de vraisemblance, et donc vous allez tester la signification des coefficients, etc. Et donc, ça, c'est vraiment la méthode paramétrique. Ça veut dire vous supposez que le modèle GARCH décrit la volatilité, que la loi est la loi normale, la loi de Soudnik, etc. Donc, vous avez des hypothèses avant de commencer l'estimation. Lorsque vous avez des méthodes non paramétriques, vous dites. Je ne connais pas la loi de distribution, je ne connais pas les paramètres, je ne connais rien. Et bien, je vais essayer de faire des simulations pour essayer de calculer une méthode VAR sur la base des données que je dispose. Donc, vous avez des données sur les prédisactifs, sur leur valorisation, vous avez des données sur euh, le, le rendement. Et donc, vous essayez à partir de là de faire des simulations euh, et, et d'essayer de d'estimer, de, 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 de calculer un, modè un modèle va. Alors, je, comme je viens de vous dire, les modèles paramétriques, les modèles paramétriques, euh, 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 pour estimer la valeur at risk, ça veut dire pour estimer le sigma, parce que tout tourne de sigma, rappelez-vous, que le sigma, c'est la volatilité, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, il y a la moyenne mobile, il y a le modèle risk -metrics, il y a les modèles GARCHE. Alors, les modèles risquimétriques, c'est ce qu'on appelle. Euh, je, je vais y revenir. C'est ce qu'on appelle euh, EW. Ça veut dire en anglais, ça veut dire Exponential weighted moving average. C'est la moyenne mobile, la moyenne mobile euh, exponentielle. C'est la moyenne mobile exponentielle. Ben, c'est le lissage exponentiel tout simplement. Hein. C'est le lissage exponentiel euh, simple euh, sur euh, la qui est appliqué à la variance des rendements. Euh, et donc, on va tout à l'heure euh, expliquer ce que c'est que le, le modèle Risk Matrix. Mais prenons, prenons euh, le, le, modèle, euh, le modèle de moyenne mobile. Donc, le moyenne mobile, euh, on peut très bien utiliser pour, euh, pour calculer euh, la volatilité. Donc, en fait, ici, on va définir le sigma indicié. Le sigma indicié, vous, euh, vous avez ici le comment dirais-je Vous avez ici la le, le, le mu indice euh, qui est le qui est la moyenne alors je vais juste chercher voilà donc ici vous avez, vous avez la, 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 la moyenne ici vous avez là, là c'est une moyenne des parce que les données euh, la, la variable qui nous intéresse euh, ça, ça peut être y yt. Y, y, D'accord. Et donc, en fait, ici, vous avez U indice T chapeau M. Ça veut dire que ça, c'est la moyenne. C'est 1 sur M. C'est la moyenne de YT. Et donc, lorsque vous enlevez la, 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 vous prenez chaque rendement. Ça, c'est un rendement. D'accord. Donc, chaque rendement, vous, 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 vous lui retranchez la moyenne, vous passez au carré. D'accord. Et donc, en fait, c est, c est, c est, c est, vous, vous allez calculer une, une moyenne mobile. Et donc, cette moyenne mobile va vous permettre va vous permettre de calculer à chaque instant T, chaque instant T parce qu'en fait, ça va varier au cours du temps, d'accord Ça va varier au cours du temps parce que vous avez le sigma au carré t, et donc vous allez utiliser cette méthode de moyenne mobile parce que la moyenne mobile, ça veut dire vous calculez une moyenne mais vous faites déplacer la fenêtre temporelle et ça va vous permettre de calculer la variance et c'est une méthode qui est très simple, mais c'est une méthode qui a été utilisée avant. Maintenant, le modèle Risk metrics Et ça, c'est très important. Je vous invite à, à, à bien suivre cette partie parce que le, le modèle Risk Matrix, il reste le benchmark. Ça veut dire que c'est la référence de calcul du risque de marché sur les marchés. Et nous, si vous voulez, on va s'en inspirer, on va le comparer avec nos, le, avec nos modèles gash Donc, le modèle euh, euh, Risk metrics il applique une méthode Appelé la moyenne mobile exponentiellement pondérée. Ça veut dire qu'il y a une pondération exponentielle pour estimer la distribution des facteurs. Donc, ça, c'est le, le document interne de JP Morgan. Alors, ici, l'équation de la variance, vous avez la, la variance, c'est toujours l'estimation de la variance, hein, parce que c'est la, la, variance, la variance conditionnelle. La variance, c'est la volatilité, et c'est la volatilité dont on a besoin pour estimer pour estimer la valeur donc là vous avez la variance et vous voyez que la variance il va, il va être exprimé. et là vous avez les rendements quoi donc là la variance et là vous avez les rendements tout simplement donc en fait vous allez faire vous allez faire ça c'est le carré des rendements quoi c'est le carré des rendements ok donc ça c'est les rendements à partir des rendements réalisés de de, de, de l'actif financier ou d'un portefeuille d'actifs financiers vous allez euh, euh, utiliser une moyenne mobile et vous allez juste introduire la, 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 la pondération exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, la décroissance exponentielle? Ça veut dire que vous allez donner euh, des poids les plus importants aux dernières observations. Je répète, vous donnez le poids les plus important aux dernières observations. Je le répète encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, la pondération exponentielle? Vous donnez les poids les plus importants. Aux dernières observations, aux observations les plus récentes. Lorsque nous avons une moyenne mobile, on donne les mêmes poids à toutes les observations. Que l'observation soit récente ou soit ancienne, on va lui donner le même poids. Par contre, lorsqu'on est dans le cadre de, de risque Metrics, dans, dans une moyenne mobile exponentiellement pondérée, ça veut dire la, 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 le, la, le, la, le, on va donner un poids plus élevé à, à au rendement d'hier un poids euh, plus élevé, etc. Donc, les, 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 les observations les plus récentes vont avoir des poids les plus élevés. Et donc, si vous voulez, il y a une décroissance, il y a une décroissance exponentielle, il y a une décroissance exponentielle du poids des observations. Je répète, il y a une décroissance exponentielle de l'importance et des poids, des poids accordés à chaque observation. Donc, plus l'observation est récente, plus son poids est élevé. Plus l'observation est ancienne, son poids est faible. Et donc, ce facteur de décroissance, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le lambda. D'accord C'est ce qu'on appelle le lambda. D'accord C'est ce qu'on appelle le lambda. Et donc, ce facteur de décroissance lambda, comment vous allez me dire quelle valeur doit-on utiliser ben, JP Morgan, Morgan, par des méthodes d'optimisation, il utilise un facteur de décroissance. Lambda 0,94 pour les données journalières et lambda 0,97 pour des données mensuelles. Je répète, euh, je, je, le, le, la, la banque JP Morgan, par optimisation, a défini le, le lambda et lui a donné un chiffre. Il dit si vous avez des données journalières, vous utilisez lambda 0,94. Si vous avez des données mensuelles, vous utilisez lambda 0,97. Et donc, cette formule un peu complexe, elle peut être réduite pour montrer cela. Quoi. Voilà. Donc là, si on a des données journalières, si on a des données journalières, si on a des données euh, journalières, on va, utiliser, on va utiliser le chiffre le chiffre 94. Et donc voilà, si vous voulez, euh, on, va, on va utiliser ce chiffre-là, ce chiffre 94. Ce chiffre 94. Voilà. Et donc, si on a des données journalières ici, euh, le fait d'utiliser le modèle risque maîtrisé de JP Morgan, on va déjà calculer le chiffre 0,94. Et donc ce chiffre-là, 94, veut dire, que, veut dire que 1 moins lambda, c'est ça, hein c'est dans l'essage exponentiel. Donc vous avez lambda est égal à 0,94 et vous avez 1 moins lambda est égal à 0,06. Je répète, 0,94 c'est lambda, d'accord C'est la, le facteur de décroissance et vous avez 1 moins lambda c'est 0,06. Et donc ça, si vous voulez... Ça c'est le modèle, ça c'est comment dirais-je, c'est le, le, le modèle c'est matrix et au fait ce modèle, -là, ce modèle là, dans sa structure, dans sa structure, il nous rappelle quand même, il nous rappelle le modèle Garsh, il nous rappelle le modèle Garsh parce que le modèle Garsh il s'écrit comme suite. Le modèle Garsh il s'écrit comme suite, il s'écrit oméga alpha rt 1 au carré plus bêta sigma t 1 au carré. Et donc, qu'est-ce qu'on avait imposé à l'époque pour le modèle GARCH On avait dit que alpha plus bêta, strictement inférieur à 1. Donc, si je veux comparer les deux, si je veux comparer les deux, je veux comparer les deux. Ben, je dirais que si juste, il faut, il faut, que le oméga soit égal à 0. Si je veux comparer les deux, je vais juste, enfin, euh, je considère que, le, que ce oméga, je vais, je vais, je vais, lui faire, je vais le, le mettre égal à 0. D'accord. Donc, le oméga, il n'existe pas et je vais autoriser je vais autoriser je vais autoriser alpha et bêta, il faut qu'ils soient égal à combien faut Il faut qu'ils soient égal à faut il soit égal à 1. Alors je vais juste chercher un pour vous montrer là. Alors je crois que ça ça, ça va marcher. Voilà, donc je vais juste prendre ça. Alors Alors, je disais, je disais la chose suivante parce que je dois rajouter des choses ici. Donc, en fait, je, je, je m'explique. Donc, en fait, oméga, je vais le faire égal à zéro. Oméga égal à zéro. Si je veux comparer, je vais comparer le risque matrix avec le GARCH, d'accord Donc, je vais le comparer. Voilà. Donc, en fait, ici, premièrement, si je veux faire la comparaison entre, entre le GARCH, donc, en fait, si je fais… Il faut que je fasse oméga égal à 0 et, et alpha et al, alpha alpha plus euh, bêta égal à 1. Donc si je suppose que oméga égal à 0 et alpha plus bêta égal, égal à 1, d'accord, donc ça, ce modèle-là, c'est un modèle, c'est un modèle, et j'ai déjà parlé de ça dans le chapitre précédent, c'est ce qu'on appelle un modèle un modèle garche. C'est un modèle garche 11. 1. Ça, c'est un modèle garche 1, 1. Ça, c'est un modèle garche 1, 1. D'accord Garch Donc, au en fait, je vais, je vais dire, si je suppose, si on suppose, si on suppose oméga égale à 0 et alpha plus bêta égale à 1, ça, c'est un modèle garche. Et pourquoi garche Parce qu'au en fait, ici, je vais alpha plus bêta égale à 1, ça veut dire qu'il y a une racine unitaire. Et donc, au en fait, euh, euh, le 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 modèle égal garshin 1, 1 le modèle égal garshin 1, -1 c'est c'est risk matrix donc en fait je dirais que risk matrix risk matrix est et 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 est équivalent à un modèle igarshin 1 1 igarshin 1 1 d'accord et, et donc c'est donc un cas particulier du modèle GARCH, quoi. C'est un cas particulier d'un modèle GARCH. D'un modèle GARCH 1.1. Donc, en fait, c'est un modèle GARCH particulier, c'est un modèle GARCH 1.1. C'est tout. Et donc, en fait, si vous voulez, quel est le, le modèle le plus général C'est plutôt plutôt le, le modèle, le modèle GARCH. Donc, en fait, c'est un modèle particulier d'un modèle GARCH. D'accord Donc, ça, c'est... Euh, pour, pour lire le, le modèle égarché 1, je vais l'écrire là. C'est euh, um, anti grazed, anti grazed, anti grazed, euh, garche. Qu'est-ce que ça veut dire anti grazed garche? Ça veut dire il y a une racine unitaire tout simplement. Ça veut dire il y a une racine unitaire. C'est pourquoi on l'appelle euh, une, 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 une euh, anti grazed. Ça veut dire il existe, il existe une racine unitaire. Quoi. Alors que normalement, un modèle Garch, un modèle Garch, il, il, euh, il, euh, il est stationnaire. Quoi. Un modèle Garch est stationnaire. Et donc là, lorsque vous intégrez vous faites alpha plus bêta égal à 1, vous n'allez plus respecter la, la contrainte de alpha plus bêta strictement inférieur à 1. Et en plus, vous allez faire euh, annuler le, le, le oméga. Et dans ce cas, euh, Risk matrix n'est autre qu'un modèle GARCH à 1. Et donc, c'est Risk Matrix, c'est un cas particulier des modèles GARCH. Enfin, il appartient à la à la, à la euh, Enfin, le, le modèle Risk Matrix, on peut l'assimiler à un modèle GARCH. Risk Matrix est un cas particulier euh, de, de la famille de, des modèles GARCH, quoi. De la famille euh, des modèles GARCH. Donc, les modèles GARCH, la famille, il est trop large, et donc on peut considérer que le modèle Risk Matrix euh, introduit par par la banque JP Morgan. C'est juste un modèle garge, mais particulier. C'est un modèle garge particulier. Et donc là, je vais, je vais vous, vous, vous parler de, des avantages de Risk Matrix et de, de, ses limites, de ses limites. Donc, Premièrement, premièrement euh, le, le modèle Risk Matrix, il comporte un seul estimateur qui prend la valeur 0,94 pour les données journalières et 0,90, 17. Pour les données mensuelles. Donc, vous voyez que vous n'allez, il n'y a aucune estimation nécessaire. Vous avez une, une fixe. Nous, vous voyez, on prend les données, on va aller euh, estimer un modèle Arma, on va tester les résidus, on va estimer le modèle GARCH. Donc, c'est une procédure qui est très coûteuse en temps et en effort. Eux, ils ne vont pas euh, euh, rentrer dans, ce, dans cette logique de calcul énergivore. Qui prend chronophage, qui prend beaucoup de temps. Ils disent écoutez, pour nous, on va fixer le bêta à 0,94. Voilà, donc 0,94 pour les données journalières et 0,97 pour les données mensuelles. D'accord, donc ça, ça veut dire, c'est plus simple. Ça veut dire que ça va nous éviter les estimations. Deux, deux risque Metrics n'a pas besoin d'autant de, de, de données, d'un échantillon beaucoup plus large pour calculer la variance. Je répète, Riskmetrics n'a pas besoin de beaucoup de données pour calculer la variance. Et donc, euh, euh, pour, eux, pour eux, par exemple, euh, euh, échantillons, donc je vais l'écrire ici, l'échantillon de données, échantillon de 74 jours, quoi. Donc, de 74 jours de données, quoi. Donc, si vous avez, d'historique, même pas, d'historique, si vous avez 74 jours d'historique, bah, 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 bah c'est, suffisant quoi. Donc vous imaginez que 74 de données, non, On rêve dans les séries temporelles. Nous, on a des données de 7000, 8000 points, mais eux, ils disent si vous avez 74 jours d'historique, ça suffit largement pour estimer un, un modèle esquimatrix. Mais attention, je rappelle que euh, c'est le portefeuille de JP Morgan, quoi. Alors le portefeuille JP Morgan, c'est pas le CAC 40. Le CAC 40, c'est 40 valeurs actions. Du de, de, de marché des actions du de, 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 de marché français, mais eux, ils détiennent des portefeuilles où il y a, je ne sais pas moi, 10 000 actifs. Quoi. Donc, il a, ils ont des actions américaines, ils ont des actions européennes, ils ont des actions asiatiques, des actions des économies émergentes, ils ont des commodities, ils ont des obligations, euh, ils ont des produits dérivés. Donc, c'est un portefeuille large. Donc, il y a, je ne sais pas moi, 10 000 actifs, 20 000 actifs, que sais-je. Et donc, au fait, ils n'ont pas besoin d'autant de données pour garantir, euh, euh, enfin, pour garantir, euh, entre guillemets, la convergence de leur estimateur. Et donc, ils ont un large échantillon de données sur 74 jours, qui correspond à peu près à un jour de bourse, c'est, euh, on va dire, 60 jours, ça fait trois mois, et 14 jours, ça fait, on va dire, 3, entre trois et quatre mois d'historique. Donc, ça leur donne un avantage quand même. Donc, un, ils vont dire, ah, écoutez, si ces données journalières, on va leur... Euh, on va appliquer le, le lambda est égal à, à 0,94. C'est généralement le cas parce que si c'est si des données mensuelles, euh, on va leur appliquer un lambda 0,97. Et puis, euh, on a besoin que 74. Euh, mince, formidable, formidable. Donc, c'est très simple. Euh, dans sa construction, on a besoin de moins de données, c'est formidable. Mais attention, attention. première critique. Risque Matrix, il assume une distribution normale. Et donc, en fait, le risque Matrix s'inscrit dans le cadre de la distribution normale des rendements de tous les actifs qui composent le portefeuille de la banque GP Morgan. C'est une banque d'investissement, donc il a un large portefeuille. Et donc, ils disent, écoutez, nous, ça nous va très bien, on reste sur l'hypothèse simple, distribution normale ou adobosse, et nous avons déjà vu que les facteurs de marché... Ils ont plutôt des, 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 des distributions qui ont des queues épaisses. Ça veut dire qu'il y a un excès de Kertosis et surtout, il y a un Scheunis négatif. D'accord Donc, je dirais ici même, euh, et, et asymétrique. Et asymétrique, et asymétrique, je rajoute, vous avez un, un excès de, 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 de Kertosis et euh, euh, asymétrie négative. Quoi. Asymétrie euh, négative. Un Scheunis négatif. Enfin, je, je, vais, je vais dire Scheunis négatif. Et donc en fait, lorsque vous dites le skewness, le skewness négatif, le skewness négatif et excédokertosis, vous dites attention, l'hypothèse de la normalité, c'est une hypothèse euh, qui risque fortement euh, d'être rejetée. Et par conséquent, euh, c'est une des limites fondamentales du modèle risk matrix. Et euh, le, le, le modèle est sous-estime la dimension dynamique des données. La Dimension dynamique des données, ça veut dire lorsque vous dites mon lambda s'élève à 0,94, quoi qu'il arrive, euh, ben c'est comment dirais-je, c'est très simplificateur quoi. Donc vous estimez la dimension dynamique des données, ça veut dire peut-être que parfois le lambda il va être 0,95, parfois 0,98, parfois ça veut dire lorsque vous vous figez vous vous, vous posez. Une, euh, vous, vous gardez fixe le, zéro, le, le lambda et le 1-lambda, le, le, le paramètre, ça veut dire qu'il est statique, il n'est pas dynamique. Ce, ce caractère statique euh, ne, ne, ne met en évident, enfin, remet en question la stabilité du modèle de risque matrix. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de variations sur le marché, la question qui se pose, est-ce qu'il arrive à capter cette variation Et lorsque je dis la dimension dynamique, c'est tout simplement les chocs. Quoi. Donc, il y a des chocs qui arrivent sur le marché. Est-ce que quoi qu'il arrive, le 0,94 va être le bon lambda Ou bien le lambda à 0,94 va être incapable de capter cette variabilité au cours du temps des données Alors, je dirais la solution académique. La solution académique, ça veut dire les universitaires, en particulier parmi lesquels M. Robert Engel, qui, qui passe la journée dans le monde entier à prêcher pour son modèle GARCH. Il a dit, écoutez, euh, pour surmonter toutes ces critiques fondamentales euh, de, de, du modèle risk metrics, qui n'est qu'un cas particulier euh, du modèle, euh, du modèle euh, GARCH, ben, introduisons la modélisation GARCH, qui est beaucoup plus sophistiquée et qui permet euh, une, euh, comment dirais-je un relâchement, un relâchement des de, de hypothèses, il va relâcher les hypothèses et donc il va dépasser les limites de risque métrique. Il y a dit, un, dans le modèle GARCH, nous n'en avons pas besoin de rester dans le cadre d'une distribution normale. Et deux, comme c'est un modèle, modèle garche, le modèle GARCH il va être capable de capter la dimension dynamique des données. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la volatilité conditionnelle, ça veut dire c'est une volatilité. Hein, qui varie en fonction de l'arrivée de l'information. Donc il y a la conditionnalité par rapport à l'information qui arrive. Et donc il a un caractère dynamique. Et donc pour s'affranchir des contraintes euh, euh, de, 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 et des limites du modèle S-metrix, le modèle GARCH peut être une alternative crédible. Et donc dans ce cas, on peut très bien, on peut très bien imaginer euh, le portefeuille euh, large de toutes les banques euh, euh, qui rentrent dans le cadre du modèle GARCH. Et donc en fait. La modélisation Garch a été introduite. Et, et là, je veux dire euh, en particulier, en particulier, en particulier, ces extensions, je, ça c'est très important, multivariées, qu'on va voir l'année prochaine. Donc, multivariées, lorsque je dis multivariées, ça veut dire il y a plusieurs. Là, parce que là, on fait le, on fait le, le modèle Garch, on va l'appliquer au cas 40 parce qu'on a une seule série temporelle. Une seule série temporelle, mais lorsqu'on dit. Donc, on est dans le cadre univarié, multivarié lorsque vous avez plusieurs séries temporelles. Et donc, par, en l'occurrence ici, si vous avez un portefeuille qui, qui contient, je ne sais pas moi, 1000 actifs différents, donc vous ne pouvez pas utiliser le modèle GARCH pour chaque, chaque série temporelle. Il vous faut un modèle GARCH multivarié. Et en fait, je peux déjà d'emblée vous dire Dynamic Conditional Correlation. Le modèle DDC, DDC, Dynamic Conditional Correlation, qui est un modèle GARCH multivarié. varié, il est capable de, de concurrencer et même de battre Risk risque, risque Metrics dans sa construction et dans, et, dans, et, dans, et dans sa prévision. Donc, pour récapituler, pour récapituler euh, il y a plusieurs méthodes euh, d'estimation de, de la value at risk les méthodes paramétriques, les méthodes semi-paramétriques. Euh, et les méthodes non paramétriques et donc si vous voulez euh, nous dans le, dans le monde universitaire on se concentre sur les méthodes paramétriques parce qu'on sait faire parce qu'on sait faire et puis parce que c est, c est, c est, ils, ont, ils ont une simplicité de conception quoi, une simplicité de conception. Donc la moyenne mobile même sur un fichier. La moyenne on a fait le, le, on a présenté la moyenne mobile et on a critiqué la moyenne mobile parce qu'elle donne le même poids à toutes les observations. Donc, on a introduit la moyenne mobile exponentiellement pondérée, qui est le fondement du modèle RiskMetrics, qui va donner des poids importants aux observations les plus récentes et un poids très faible aux observations les plus anciennes. Et par conséquent, on a, on a, besoin, de, de, on a besoin de définir ce facteur de décroissance que nous avons appelé lambda. Et donc, pour RiskMetrics, il le détermine à 0,94 pour les données journalières 0,97. D'accord Et puis euh, en plus, euh, vous n'avez pas besoin d'un long historique de données pour estimer le modèle risque-métrique. Enfin, on a besoin juste de 74 jours. Et, et donc, par conséquent, ce modèle risque-métrique a été euh, une contribution majeure euh, à, à la modélisation des risques de marché, à la mesure de, 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 de risque de marché et à, la, à mettre à la disposition des institutions financières et des autorités de régulation une métrique, une mesure de risque de marché. Mais malheureusement, euh, il souffre de faiblesses fondamentales que nous avons euh, exposées. Et le modèle Garch, qui a été introduit par Engel et Bollerslev avec ses extensions, euh, 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 comment euh, 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 avec, 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 ses, avec ses extensions multivariées, euh, est un candidat crédible qui peut euh, euh, s'affranchir des contraintes. Et, 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 et des contraintes et des limites fondamentales dont souffre euh, Risk Matrix. Donc, on va reprendre dans cinq minutes.